soudain, ne voilà-t-il pas une Suissesse? Tic-tac, 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 Mohamed il a chargé son regard. Dès qu'elle est rentrée dans le rayon de son regard, Mohamed il a foudroyé du regard et la fille est tombée dans les pommes. Avant qu'elle ne touche le sol, Mohamed hop, il la rattrape dans la position de James Dean dans La Fureur de vivre. Vous connaissez la position de James Dean, dans le principe de James Dean dans La Fureur de vivre? Dans la vie, normalement, quand une fille tombe, on la retient généralement comme ça, hein, comme ça. Mais c'est pas la peine de faire des projets, c'est très rare, elle ne tombe jamais. Moi, ça fait 10 ans que j'attends une qui tombe, rien. Il n'y a que les vieilles qui tombent. Cette semaine, j'en ai ramassé 3. Et je sais pas qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu. Chaque fois qu'une vieille tombe, je suis là. C'est un destin, c'est comme ça. Alors donc, vous imaginez, la fille, elle est là. Hein? Donc, Mohamed avec la Suissesse. Hein? Elle est là, comme ça, vous la voyez. Oh, pardon, j'ai oublié. C'est une Suissesse. C'est une planche. Louha. Là-bas en Suisse, c'est les vaches qui sont généreuses. 200 litres à la minute. C'est pas comme chez nous. Hein. Chez nous, les vaches, c'est des planches. Louha. Tu prends deux vaches, elles donnent une goutte de lait. Mais nos femmes, y'a quoi? Elles sont généreuses. La ilaha illallah, Mohamed Rasulullah. Moi, je me souviens quand j'avais 13 ans, c'est la dernière fois de ma vie où je suis allé au hammam avec les femmes de ma famille. Comme vous le savez, chez nous, on accompagne les femmes au hammam tant qu'on est petit, quoi. Enfin, jusqu'à l'âge des grandes mutations, hein. Oui, oui, parce qu'on les accompagne, les accompagne, les accompagne. Tout d'un coup, les femmes, elles disent « Hop! Celui-là, il ne vient plus. Aïe! Mais pourquoi je ne viens plus? Aïe, c'est là, Al-Waldi! C'est le prix. Celui-là, il faut le marier la semaine prochaine. Faites quelque chose. » Moi, je me souviens, j'avais 13 ans, c'était la dernière fois. J'étais là avec toutes les femmes de ma famille, même quand ma tante s'est déshabillée. J'ai fait 3 mois de coma dans le coma.